Et salut tout le monde, c'est MioGames, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Evolorn. Alors, petite explication, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant la dernière semaine de vacances? Tout simplement, j'étais parti en vacances, je vous l'avais dit. Et le temps de défaire ses bagages et tout ça, enfin de tout remettre en place, etc. Fallait que je fasse aussi mon travail pour le lycée, donc voilà, ça mettait un peu de temps. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un peu d'annexe, un peu de quête secondaire, si on peut appeler ça. On va faire de l'exploration. Alors, parce que je me suis rendu compte, quand on avait pris le vaisseau volant là, je sais plus comment ça s'appelle, je crois qu'il n'y a pas de nom. Et ben en fait, je peux aller partout. Il y a plein d'endroits qu'on n'a pas exploré, comme des villages ou je sais pas quoi. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tenez, comme ça. Du coup, je sais même pas ce que c'est. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Marchand, je suis l'un des derniers marchands itinérants, un descendant de la légende d'Orneco, c'est quoi ça? Mais je meurs de faim, il n'y a plus que du gibier agressif dans ces bois. Si tu m'apportes de bonne viande, je te donnerai quelque chose en échange. Voilà, donc déjà, une petite quête. Il faut qu'on lui apporte de la viande, mais bon, ça, on le fera plus tard. Voilà, il y a plein de trucs comme ça où on peut... enfin, qu'on va découvrir ensemble. Ça, c'était quoi déjà? Je ne me rappelle même plus. Attendez. Ok, combat, c'est parti. Dans le dernier épisode, on avait affronté, enfin, essayé d'affronter Zephyros. Malheureusement, ça n'a pas abouti, on n'a pas réussi à le tuer. Du coup, dans le prochain épisode, on va s'y remettre. On va prendre un peu de vie. Spécial soin. Voilà. Donc, du coup, ça a fait une petite transition. Voilà, je pense que c'est pas mal. Comment ça, il meurt pas? Des fois, j'ai pas beaucoup d'attaques. C'est assez... c'est chiant. Oh, je passe à Babamou tout de suite. Voilà. Allez, là on va le finir. Oh, ok, et lui meurt. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Débloqué, maître des donjons, vous avez trouvé l'hôtel de Babamou. Eh, vous voyez ce que je vous ai dit? D'accord. Donc. Non, on va garder l'épée pour l'instant. Ok, vous voyez, on a découvert un nouvel endroit. Assez sympa. Je sais. Babamout, en fait, c'est le dragon, je pense. Pas casser, voilà, si on peut casser ça. Ça part un peu dans tous les sens, donc on va essayer de. De pas s'éparpiller trop, mais. Oula. Quoi? Oh. Oh putain, ok. Oh, on va se calmer là. Allez. Voilà, toi tu meurs. Après, il y a encore lui. Et toi là, viens là. Ils arrivent à l'infini, vous croyez? Non, je pense pas. En fait, faut les prendre par derrière. C'est assez bizarre à dire, mais c'est ça. Ok, attendez. Concentre un peu. Encore un coup. Voilà. Hop, voilà, ok, c'est bon. Du coup, ça nous a libéré le passage. On va activer un interrupteur qui va servir à... Qui va servir à quoi? Alors, je longe les murs pour voir s'il n'y a pas de passage secret. Parce que ça, maintenant, je fais très gaffe. Faut que je fasse gaffe aussi aux murs fissurés. Parce qu'il peut y avoir des étoiles ou des cartes. D'ailleurs, on est toujours à 15 sur 30 pour les étoiles et à 10 sur 23 pour les cartes. Donc, nous en manque un petit peu, beaucoup, quand même. J'espère qu'on va en trouver pas mal. La statue. Là, pour l'instant, je fais latéralement. Je fais de gauche à droite. Oula, 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 oula. Ok, c'est sympa. Ah! Mon dieu! Je vais prendre l'arc. C'est pas le chauve-souris. Là, là, là. Non! Mais. Ouah! Mais non! Attendez. Saoulez-vous, hein. Oh là là! Oh non! Pas ça, punaise, s'il vous plaît, pas ça.
Ah oui, c'est vrai que j'ai les combos aussi. J'oublie ça. Ça, j'oublie. Donc, faut que je fasse gaffe. Faut pas que j'oublie. Allez, viens, attends. Venez là. On fait un peu de cœur là. Ah, regardez, il y a un mur là-bas. Hop. Encore une. Et là, normalement. Voilà, nickel. Et du coup, on obtient. Ta-da-da-da. Une étoile. On en a 16 sur 30 donc. C'est ça. Ouais, 16 sur 30. Ok. Là, c'est fermé. Donc, faut qu'on passe derrière. Par où, je sais pas. Ok. Ça me fait plaisir de rejouer à ce jeu. Un petit peu rageant, n'est-ce pas? Ah, il y a un autre interrupteur. Ok. Ah, j'ai peut-être une idée. Peut-être qu'il y en a un troisième en bas à gauche, enfin là-bas au fond. Et du coup, ça va nous ouvrir la porte qui est à droite, où on était tout à l'heure. Ok. Ok, ok, donc. Ok, donc là. Non. Non. Passe, 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 non. Non. Ok, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Ah non, je vais mourir. Voilà, ok. Sauf seulement. Ah, c'est chiant, les oreilles. Mon dieu, mon dieu. Ok, là, je vais faire très gaffe. Je suis désolé pour vos oreilles. Moi aussi, je vous promets que ça me fait. Vas-y, c'est bon, emmène-moi là-bas. Ah, vite que je trouve de la vie, c'est horrible. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, ça tue. Non, c'est pas par là en plus, putain. Ah, mais c'est horrible, on dirait une alarme là. C'est vraiment très très gênant. Je suis désolé. Allez, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Attendez, parce que si je me fais toucher, je suis mort par contre. Voilà. Waouh, ça va mieux. Ah, mais du coup, faut pas que je tombe aussi. Pas que je tombe. Non, non. Non, non. Ouf. Ok, ok, ok. Punaise, mais non. Il y en a trop. Il y avait. Putain. Je peux pas mourir sur des trucs comme ça, sérieusement. C'est trop facile en plus. Je me concentre pas assez, c'est ça le truc. Oh, je peux obliger tout le monde à refaire. Faut déconner. Oh. Faut déconner. Attendez. Oh, j'espère pas. Ah non, je pense pas. Voilà. Ouais, non, c'est bon. Ok, c'est parfait. Ça va, ça m'a restauré mes cœurs. Non, mais. Venez là, venez là, venez. Venez là, je vous attends. Allez, je vous fais tous un par un là. Viens là, toi. Putain, toi, c'était pas prévu ça. Ok, faut que je fasse gaffe à lui. Mais mon dieu! On s'en fout, hein. Si on le fait pas, c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est bon, toi t'es mort. Allez, l'autre. Mais c'est pas possible, j'y touche même pas les flammes. Voilà, c'est bon, nickel. La vie. Ok. Oh là là, c'est quoi ça? Prendre la vie qui est dans le pot. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu. Ok, déjà, on va recommencer. Ouais, ok. Voilà. Ensuite, ça, ça. Ça, ça, ça. Ça, ensuite. Voilà, nickel. Alors là, réfléchissons. Réfléchissons. Ok. Comme ça, comme ça. Et voilà, nickel. Yes. Yes. D'un coup. J'ai vu juste un mur là. On peut casser donc. Hop. On va mettre une bombe.
Nickel. Une autre étoile. Nickel. Ça, c'est bien. Je sais pas ce que ça fait si on a toutes les étoiles, mais bon. Au cas où, on les prend toutes et comme ça, on verra ce que ça va faire à la fin. Ça nous emmène où, ça? Oh, mon Dieu. Oh, ça va ou? Oh là là, il monte. Waouh. Why? Waouh, mais c'est pas possible. Je vais mourir. Non, 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 non. Attendez, il y a un coffre. Putain, je vais le prendre. Je vais prendre direct le coffre. Je sais pas ce que ça fait, mais ce que ça va faire, mais je vais prendre direct. Mais ça, c'est chiant, ça nous remet depuis le début en fait. Ça, c'est saoulant en fait. Merde, j'ai pas de la vie immune tellement. Les amis, je fais que des bêtises. La reprise, c'est très difficile. Mon Dieu. Oh non, mais non, mais trop d'ennemis. Il y a vraiment trop d'ennemis. Heureusement que ça ne fait pas tomber dans l'eau quand on se fait toucher, hein, parce que franchement. Waouh, mais non, mais. Vite, vite, je me barre, je me barre. Je me barre. Tu me toucheras même pas. Punaise. Oh là 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 là. Je déteste ces ennemis là. Encore les squelettes, ça va, mais les mages là avec leurs boules de feu, c'est chiant. Faut les esquiver au bon moment. Putain, je suis mid-life, c'est pas possible. J'ai pas beaucoup de vie en plus, c'est ça qui est chiant. Ok. On va prendre direct le coffre. Sans attendre. Non, non. Qu'est-ce que c'est? Vite. La carte Babamout. Mais c'est sérieux? Comment je sors de là, moi? Attendez. Mais vas-y, mais bah oui, je suis mort. Punaise, mais c'est pas possible. Eh mais en fait c'est bon les amis, on a la carte. On a la carte, donc on n'est pas obligé de. On peut repartir en fait, c'est bon. Normalement on a la carte. 11/23. Non, on l'a pas eu. On l'a pas eu, je crois. Ah mon Dieu, mais c'est pas possible. Ah mais. C'est mal foutu ça. D'endroit en plus. On est déjà 15 minutes de vidéo. Presque. Non mais. Et vous vous dites que c'est facile, mais franchement, je vous promets que c'est pas du tout facile. C'est vraiment, vraiment pas facile. Oh là là, mais avec tout ça en plus, je sais comment. Allez, voilà. Je spam, je spam. Je pense que ça. En fait, quand je vais dans la salle là où il y aura tous les ennemis, je pense qu'il va falloir que je fasse que. Enfin, je commence par la bombe et après j'ai fini ça à l'épée. Je vais essayer ces tactiques là et on verra si ça marche. Alors, vous déjà, vous me saoulez. Voilà, c'est bon, on passe. Ok. Go. Non mais. Dès que j'arrive, il y a une. Oh bah voilà, ça les one shot. Faut juste que ça, je fasse gaffe. Voilà, nickel. Oh, t'es bugué toi. Tiens. Allez hop. Tu crèves. Voilà, en fait, c'est ça la méthode. Bon, bah, c'est cool. Je vais finir à l'épée.
Et du coup j'avais le coffre en fait hein. C'est super, j'ai fait ça pour rien. Ou pas en fait. Si si j'ai fait ça pour rien. J'avais fait ça pour rien. Je vais voir s'il n'y a pas de mur cache de page chasse secret, mais je ne pense pas. Au cas où hein. En fait c'est ça quand. Avec les ennemis en fait faut avoir la bonne méthode. Sinon on s'est mort par avance quoi. C'est ça. Ouais donc ok. C'est quoi ça? Bon bah en fait c'est juste pour une carte. Bah voilà, on a fait l'endroit. On va retourner au vaisseau volant et on va encore explorer les environs. Et je sais pas comment on peut avoir la viande là pour le marchand. Je ne sais pas du tout donc ce qu'on va faire. Faut qu'on trouve d'autres endroits. Donc ça c'est le marchand, ok. Je vais te ramener de la bouffe. Comment je ne sais pas. Donc là y a rien. On va aller là. Eh ben voilà, regardez, c'est quoi ça? Je peux pas tirer? Comment ça, je peux pas tirer? Bah. Non mais. C'est ça que j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Voilà, c'est bon. Non mais. Sûr. J'ai évité d'aller trop loin du village parce que sinon je savais que j'allais tomber sur des ennemis, mais c'est pas grave. Là, je comprends pas, des fois j'ai one shot et des fois non. C'est vraiment bizarre. Vous voyez, j'ai one shot la guêpe avec 27 d'attaque et je mets et au champignon là, au Zumba je mets 27 et il meurt pas. Je sais pas du tout comment ça se fait. Ça va qu'ils ratent beaucoup leur attaque aussi. Ok. What the fuck? Ville de. Village, j'ai pas vu. Les adultes ne sont pas. Ah, mais attendez. C'est. C'est le premier village qu'on était. Où on était, en fait. Là, je crois que c'est le marchand, non? Oui, c'est ça. Reposez-vous, non? Faut que je. Ah oui, attendez. Peut-être qu'ils ont des armures ou des armes, eux. Et ouais. Ok. Ça me fait bizarre de tourner dans cette perspective là. Du coup on va aller à. Oh là, je pense que c'était là. Ouais, c'était lui. Acheter. Potion carte rare. Ah non mais il a rien en fait. Ok. Bon. On va acheter une carte rare parce qu'on a assez d'argent. La carte est muque, ok. Bon. Eh mais attendez, ça se trouve, en fait, je suis pas obligé de toutes les récupérer, les cartes dans les coffres et tout. Je peux en acheter là, je pense. Ah bah non, en fait. Bon. La queue de phoenix, ça sert à quoi? Queue de phoenix. L'objet est maintenant dans 31. C'est pas de la viande? Je sais pas. Bienvenue au village, passez un bon séjour. Je sais vraiment pas si je peux... si c'est considéré comme de la viande. Cette porte à fermer, il a peut-être quelque chose par là. On peut aller dans le puits, quoi. Le puits, ouais, non, faites ça. J'ai que l'épée, j'ai pas les bombes ni rien, en fait. Donc c'est assez chiant. Écoutez, je sais pas, je vais faire le tour. Mais je suis déjà venu là, en fait, la dernière fois. Donc c'est mort. Ça sert à rien de revenir ici. On va remonter. Je vais refaire toutes les portes au cas où. Ouais non, ça sert à rien. Bon, on va sortir du village. On va sortir du village tranquillement. Ouais, et puis lui, voilà. Ok. C'est bizarre. Je me souvenais plus que c'était ici en fait. Bah voilà, maintenant je saurais. On peut repartir. Juste voir quelque chose. Ça, j'y étais déjà allé là-bas ou pas? Oh.
Oh, juste avant. Oh, une guêpe, ça va. Je me demande quand est-ce que je vais augmenter le niveau aussi. Vas-y, one shot. Ouais. C'était où déjà ça? Les cavernes de cristal, si j'y étais déjà allé. Ouais, j'y étais déjà allé, je me rappelle. Ok, donc ça c'est bon. Donc là, on a fait tout le haut de la map. Donc ça c'est parfait. Ça nous... Ok. On va continuer à descendre. Donc là, il n'y a rien. Donc là, c'était... Ouais, là, je me rappelle. La zone de malheur. Rappelez-vous. Avec les changements de perspective. Donc là, en fait, on a tout fait. Ok. Et voici l'arbre de mana où... dans le prochain épisode, on va affronter Zephyros. Et c'est l'heure de nous quitter, mes amis. Donc, je vais vous dire à la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser un j'aime, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et salut tout le monde. Allez, bye.